Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Hein, si je ne savais. Si je ne savais, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, ce n'est pas un métier facile. Et je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bogue. Si je ne savais, waouh, la relève est belle et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission Si Jeunesse Savait. Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, deux adresses, Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer, Centre-Ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session d'avril 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact. Amis téléspectateurs, nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission Si je ne savais, émission qui est conçue par les étudiants de l'ISNAC dans le but pour porter des informations pour, des informations qui dominent la société haïtienne avec des personnages qui marquent la société. Et c'est dans cet ordre d'idées que je dis, hein, nous avons avec nous un personnage qui est très intéressant, un personnage qui est très important, qui portait des bagages pour la jeunesse. Et c'est directeur de ville. Mais juste avant que nous recevions, nous avons invité à apprécier avec nous la vidéo de Tabou Combo à Tchoukou Tchoukou Tchou. La ria c'est pour Péchina, quartier c'est pour ma des droits. La ria c'est pour Péchina, quartier c'est pour ma des droits. La ria c'est pour Péchina, quartier c'est pour ma des droits. Thank you.
côté yoye, côté yoye. C'est celle musique ça qui rete. Ça va me songer, ça va me songer. Toute mélodie n'te contente. Monsieur dit frère à Jésus. T'as donc causé, wow. De retour après la pause, mais j'espère que vous avez apprécié la vidéo, même si vous avez essayé de remonter dans le temps. Et comme nous avons dit dans l'introduction, nous avons avec nous, directeur de ville. Bonsoir, monsieur de ville. Bonsoir, Garo. Je salue tous les spectateurs, tous les téléspectateurs de Si je le savais. C'est une émission que je trouvais qui assez intéressante et qui peut être nulle. Côté que jeunesse à apprendre à travers l'émission, nous saluons tous les techniciens et les productions qui ont fait un bon travail. D'accord. C'est un plaisir pour nous là. Pour nous parler musique, pour nous parler de combat direct. D'accord. Donc, on est que vous êtes quelqu'un d'intéressant, quelqu'un qui pote un paquet de bagages pour la jeunesse, surtout avec l'institution d'ISNAC qui est là pour former des jeunes. Mais je veux dire, nous pas là pour nous parler de ça. De préférence, on va parler de combat direct avec Nemo Jean-Baptiste. Mais première question pour vous, qui est-ce qui est Nemo Jean-Baptiste là? Bien. Et c'est une très belle question. C'est vrai, je veux dire, nous n'avons pas là pour nous parler de l'ISNAC, nous allons parler d'un grand homme. Pour moi-même, Nemo Jean-Baptiste, citoyen, ça, c'est après héros de l'indépendance, je pense que Haïti a dû accorder une place spéciale à personnage ça. D'accord. Pour qui ça? Parce que Nemo Jean-Baptiste, avant même que nous rentrions dans le détail sur ça que le fait comme œuvre, faut nous camper personnage ça. On laissait camper sous le profil Nemo Jean-Baptiste. Nemo Jean-Baptiste. Nemo Jean-Baptiste, papa le terrelé Clément Jean-Baptiste. Okay. J'étais cordonnier. Maman, c'était Lucia Labissière, qui était couturière. Nemo fête le 2 février 1918. Monsieur fait bien 100 ans là, s'il était vivant toujours. Okay. Il a fêté l'anniversaire, il a dit Nemo a fêté 100e anniversaire. Et monsieur baptisé le 2 mars 1918. Monsieur était l'école dans Jean-Marie Guillou, que nous, bon, cathédrale. Bon, cathédrale. Monsieur fait primel. Okay. Mais l'histoire par rapport au parcours Nemo, seulement qu'on est des faits primels, il y a des gens qui disent que c'est un certificat arrivé, il n'est pas arrivé trop loin. OK. Ouais. Et Nemo, il était coiffeur, il était cordonnier, même j'ai pas parlé. Okay. Et puis, monsieur, pour venir coiffeur. Coiffeur. Coiffeur, il y a un petit salon de coiffure, il a pu évoluer. Et au fond, il y a un coiffeur, salon de coiffure, son base lié. D'accord. Nemo était plein d'amis dans le salon de coiffure. Il a toujours venu visiter lui. Et puis, Nemo, pour aller un accident, on a dit un concours de circonstances pour le faire, monsieur, pour venir musicien. Nous voir comment. Alors, on avançait comme moi, il est campé personnage. Et même le mot Jean-Baptiste, monsieur fait 2 février, et baptisé 2 mars, et puis, mais pour côté monsieur fait, il y a un petit problème dans ça. Je contacté plusieurs monde, il y a un monde qui dit le mot fait post-marchand, il y a un monde qui dit le mot fait petit, le mot dit le mot fait au caille. Donc personne n'a pas capable de manière claire et précise. Au contraire, je suis obligé à l'archive nationale pour moi défendre une recherche pour essayer de baptiser monsieur, pour me dire avec précision côté monsieur fait. Mais jusqu'à présent, personne ne peut vous rassurer de. Et du lieu de naissance de Nemo Jean-Baptiste. Malheureusement. Mais on parle de un parcours, d'un personnage à coder, c'est bon moyen. On dit que c'est contact que le gars avec Zami qui fait l'entrée dans la musique. Qui premier groupe musical Nemo Jean-Baptiste est... Bien. Avant même de parler de premier groupe musical Nemo, il faut essayer de contextualiser. Nemo, pendant le salon de coiffure, il est. Okay. Comme moi, il y a plusieurs amis, parce que là, on est coiffeur, mais on a bien fait tête par-ci par-là. Et parmi tous les amis, il y a un qui est Antoine Duverger. Antoine Duverger, c'était un jeune qui a joué dans l'orchestre Père Guignard. Il y a un Père Fernand Guignard, et puis il y a un petit dado, c'était des musiciens, la famille Guignard. D'accord. Père Guignard, il y a un orchestre qui toujours a joué dans Gonaïve, a joué pour étrangers, parce qu'à l'époque, c'était la fin de l'occupation américaine. Ouais, nous y est. Et puis, Père Guignard toujours a eu un petit contrat à jouer, mais Livine Guignard, Antoine Duverger comme joueur de banjo,
Mais Antoine, son jeune, mais pas oublié à l'époque, parents pas de compte d'accord pour petit au musicien. Musicien. Ah non, mon fils doit être médecin, mon fils doit être avocat, ingénieur, etc. Et musicien, non. Les musiciens sont des vagabonds. Okay. Donc, Antoine Duverger était victime de ça. Tout. Même si on aimait musique, il continue à jouer petit banjo en cachette. Qui fait leur saut dans la répétition avec l'orchestre guignan, il n'y a pas qu'à rentrer la calia banjo, si rentrer la calia banjo, il a crasé banjo. Il a quitté le salon de coiffure. Le mou, là. Nemo Jean-Baptiste. Et Nemo, lui-même, il a un client, il prend petit banjo, il a gragé, gling, 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 gling. Sans aucune formation musicale. Aucune formation. Ok. Tout instrument à cordes, soit amusé ou gragé tout le temps, ou fini par avoir une dextérité, ou fini par avoir une habileté là-dedans. D'accord. Ou pas contre les musiques, non, mais ou fait quelque causer sur lui. D'accord. C'est quoi un instrument à cordes, ou facile, soit jouer tout le temps là-dedans. Le mot vient de certaine dextérité dans le bandio. Ok. C'est comme ça, on le Père Guignan joue un contrat pour la jouer Gonaïve pour deux, trois étrangers qui étaient dans le pays. Et puis Pierre Guignan, j'ai eu un contrat, il a checké Antoine Duverger pour lui dire Antoine Duverger dit maestro, qu'on aime pas qu'à aller parce que par homme, pas même qu'on aime la musique, voire on a dit, moi je joue et Gonaïve. Antoine dit, bon, il est mêlé. Alors, et Pierre Guignan, il est mêlé. Il dit, bon, étant donné que nous sommes son coiffeur, monsieur, grand pile monde qui a fréquenté, bon, malmendé, il va prendre un monde qui a remplacé Antoine. Okay. Le monsieur à côté de nous, dit, mon cher, mes problèmes, moi là, je n'ai rien, mais. Fem jouer nous qui ca jouer bandu à la place Antoine. Le mot dit maestro me capable. Ah, maestro Guy a dit ah, puis dit maestro me dit ou capable. Heureusement bandu a été là. Là il prend bandu, il font petit grager. Okay. Maestro a dit bon ça pas pis mal, mais il prend la nous vous couvrir contrat pour l'honorer contrat. Le cougnan là pendant y a joué, il a couvrir nous mou, il a joué piro. Là joué piro. Pour pas ouais faiblesse nous mou. OK. Là avec nous mou, Gonaïve il a nego rempli contrat. Le nom tourné, le mot est comme yo bali pour une petite soirée, c'est comme il fait près de 22 jours dans le salon. Dans le salon de coiffure. Tu dis, ah non, musique rapportée. Il y a plus d'avantages à donner. Tu l'as école dans la musique. Okay. Tu as ton petit livre, Claude Auger, okay. Qui l'a toujours, livre ça. Il y a toujours Claude Auger, mon premier livre de musique. Okay. Tu as ton petit livre, tu commences à battre bête li pour colle. L'homme se garde le bandio, à battre bête li, le bandio commence à pas gagner trop d'importance dans la musique. Tu dis, c'est ça. Nous, nous sommes des gens qui ont une fin. Il pas très avancé l'école, mais qui était très intelligent. Très intelligent. Je me suis dit, tête, ah, il faut aller apprendre du sax. Je me suis contacté un premier professeur qui est Victor Flambert. Okay. Je ne suis pas trop satisfait. Il m'a dit, monsieur, mon cher, si vous avez besoin de sax tout bon, c'est avec Maestro Destino Barato pour te joindre au CAI. Sans tête dure, nous m'ont plongé au CAI avec Destino Barato qui pourra le ballon formation solide en saxophone. Le mot pour le groupe. Le nom tourne, il met avec Zamim Siko, Weber Siko, son grand nom encore, la musique haïtienne. Nego qu'on a joué dans Titato, un petit bon à pied, Titato, il a joué, il a soufflé le vent, il a distrait. C'est comme il y a de gros musiciens qui toujours, ouais, le bébé là, là, dans Pétionville, il a joué. Il a joué, il a pas amusé. Il a pas amusé, il a bon à pied. D'accord. Et le mot vient former un petit orchestre qui est l'orchestre atomique. Avec mon frère, mon fort Jean-Baptiste, Nego formé un petit orchestre, il a joué, joué, joué. Mais le monde est tempérament, il est imposant, il est arrogant. Okay. C'est lui qui est le chef, qui est devant. Chef, voilà, li, au devant de la scène. Il n'y a pas très bien ça quand il y a le monde, il y a mis le monde dehors dans le groupe. Le monde, goumé, le tribunal, le juge a décidé de remettre l'instrument dans le monde. L'instrument n'est pas pour le monde. Le monde vexé, blessé, l'orgueil, le monde a joint Issa El Saïe, le gros musicien qui était en orchestre Issa El Saïe. Pour instrument, par orgueil, il se fait Atomic Junior. Parce que le premier groupe là, il a Atomic Junior. Libre à machine. Ah, monsieur vexé, tu l'as pas couru, il a continué toujours. Monsieur, mettez-le d'accord avec Siko, qui est un grand musicien de l'époque. Et puis, il a campé un groupe qui est le Conjunto International. Okay. Mais Fon dit que l'appellation, ça, Conjunto, il dit ensemble, international. L'entente, à l'époque, nous étions très influencés par la musique latino-américaine. Ou après, si vous regardez bien, ou après ancien groupe, yo, Bossa, Combo, Tabou, Combo, Sugar, Combo, Gonti Combo. Combo ça, c'est un terme espagnol. Okay. Ouais, là, on comprend. Et puis, for groupe, tu es toujours un musicien là-dedans, un chanteur. Ou après, il y a deux chanteurs, mais il y a un qui chante espagnol. Bien. Bien. Parce que, il y a une partition qui vient de Cuba, il faut que quelqu'un qui a interprété le ou les langues, la chanter. On interprète des partitions. On a fait Conjunto International, jouer. Après, il y a un bal. Et que yo fin pays nèg yo bal là, mais si quand même il y a des amis qui prennent tête qui dit ah mon cher plus grand musicien que le monde, c'est pas possible que on joue à Nemo fait élite pour en bas pour combattre Nemo. Après un bal et puis mettre
Nike que le la paye négo 100 dollars pour balle là, paye groupe là 100 dollars. 100 dollars. Hein? Et bien on dit à changer comme là. À changer comme là pour payer musicien dans 100 dollars, 500 gourdes. 500 gourdes. Et puis Siko il ne m'ont bail et Julien Paul comme là a changé et puis Siko pas pris 100 dollars, il dit bon moi pas en groupe encore me tout toucher. Je prends 100 dollars, il fait personne pas jouer une cop et puis me quitte groupe là. Là. Ne m'ont pas remplacer monsieur par Mozart du Roseau comme saxophoniste. OK. Mais faut me dire que ne m'ont là connu international, connu toi marché clopin clopin et puis ne m'ont avec quelques musiciens le 25 juillet 1955. Okay. La veille, fête Sainte-Anne, nous avons pour aller camper orchestre au Calbas. Au Calbas. Avec, ou tu vas aller en groupe, ça c'est 7 bon, nous avons là, ou après, tu m'as bâti des pliants ça. Ok, d'accord. Ou après, orchestre à l'intérieur de tes pliants. Et c'était Julien Paul, tu as Nemo Jean-Baptiste, okay, tu as Richard Duozo, tu as Augustin Fontaine. Il y a Thalès, il y a Tadal, et puis c'est Nexa qui a accompagné le monde pour faire groupe ça, 25 juillet 1955, qui pourra jouer pour la première fois sur la place Sainte-Anne. Place Sainte-Anne, bon, qui est toujours là, ouais. Et c'est ça qui fait au considérer date ça, 25 juillet 1955, comme étant date anniversaire compas direct. Compas direct. Donc, vous voulez dire que, est-ce que dans tout parcours musical de mon Jean-Baptiste, c'était toujours compas de venir jouer, ou bien c'est pas en révélation? Il vient jouer un compas ou bien est-ce que t'es gon rythme jazz, est-ce que c'était jazz ou bien est-ce que c'était blues ou bien est-ce que la tendance qui était là avant jazz, avant compas que t'es gon jouer. Comme si par qui chemin, qui cheminement que nous mot passé pour venir créer le compas direct. Parce que yon genre musical qui c'est le compas, créer tout ton genre musical c'est pas mince à faire. C'est oui. Un rythme, mm-hmm. C'est pas mince à faire. Donc côté Nemo Jean-Baptiste, déjà. Début, après ça, dit, non, début ne mon Jean-Baptiste dans la musique, c'est pas l'école, c'est pour continuer de dire que c'est un autodidacte. Mais par après qui cheminement formation, oui, non, pas mais, formation, mais ses débuts, c'était de par lui-même. Qui cheminement le passé pour venir créer le compas? Bien. Ne mon Jean-Baptiste, l'époque, ça, il faut me dire que l'homme prend des jeunes qui formaient le 1er août 1943. Ok. Hein, 1er août 1943, me donne mon Jean-Baptiste, 25 juillet 1955. Ouais, bon, laps de temps là. Oui. Oui. Des jeunes tapent de musique de culture. Sanrele, Petro, Ibo, Nago, Rabodaï, Yanvalou, c'est musique ça. Okay. Et musique ça, c'est des musiques fort bons danseurs pour lever pied là-dedans. Okay. Donc, il fait un équipe plan en pied, le allonti bal de salon, c'est des jeunes qui ont joué. Ah, mon cher, chita, gâti, mesdames, on va pas bouger. Ah, monter et sous pis là, vous danser. Parce que là, pas pour. Okay. Faut que le bouger plonge en pied, vous regardez, nèg, monsieur, pied léger, ou cap danser, à ti, mesdames, qui okay. Compte danser, qui fin danseur. Okay. Donc, c'est Ibo, Petro, Mendou, Yanvalou, Rabodaï, c'est musique de culture que nous avons qui a joué à l'époque, ça, que Diaz des jeunes étaient matons là-dedans. Okay. Ouais. Et après Diaz des jeunes, nous parlons de l'autre groupe qui parle de l'orchestre septentrional, qui pourra le former 27 juillet. 1948, et septentrional tape joué musique guaratia, tia tia tia, pachanga, okay. Et des fois tout quelques musiques de culture. Okay. Ouais, que y a des jeunes joués, mais il était plus qu'était la musique cubaine, guaratia, pachanga, etc. Les potes qu'aucun compas, personne potes potes tape joué compas. Septentrional tape joué musique, ça tape joué style ça. Okay. Mais côté style ça a sorti, c'est la partition que monsieur était qu'on voulait chercher Cuba. À l'époque, nous potes qu'aucun aéroport. Nous devons s'arrêter Boeing Field. Okay. Mais c'est le même espace avec qui va gagner l'aéroport là. Son espace en terre battue, avion atterri, et puis partition sur Cuba Vini, n'est pas passé partition pour un goût, etc. N'est pas passé partition. D'accord. N'est pas passé partition pour aller exécuter. Donc, alors, tout petit fête de salon, tout groupe a joué. A joué partition qui est sur Cuba. Et Sonora Matancela, il a joué, et comment je là, Typico Sibagno, il a joué tout groupe ça, yo. Laisse ça, Célia Clous en flèche. Okay. Belle bagarre, il a fait merveille. L'interprété musique cubaine, pour Alvin Gon, problème politique à Cuba. Gouvernement d'alors, Batista, pour aller gagner guerre civile à Cuba, les Castro pour aller chercher, jeter Batista, Raoul Castro, Fidel Castro, Che Guevara, équipe solide là, okay. Pour aller commencer à camper en face Batista. Donc, une guerre civile, avion pas volé. Vin pagé échange culturel là encore, okay. C'est-à-dire avion pour aller Cuba, avion à Vin Haïti. Donc, partition pas entrée, marchandises qu'on a allées, Cuba n'avait pas entré, Cuba n'a pas voulu marchandises encore. Donc, pont en coupé. Okay. Donc, si pont en coupé, partition va venir tout. Donc, comme partition va venir,
tout ancien partition qui négocie gagnant c'est lié à pour ruminer c'est même là pédé jouer il y a joué ou vient commencer bouquer à même partition c'est lassant ne nous on avait marre tout le monde commençait à en avoir marre oui. C'est ça qui était plus intéressé à dire des jeunes qui jouaient musique culture dire des jeunes tire flèche comme on dit et puis un bonjour pendant ne nous a interprété une musique cubaine. Musique cubaine, l'obtendez, on merengue qui peut aller bien vite. Si vous prenez une musique cubaine, on merengue, on dit musique latino-américaine, on merengue, on mettez son appareil double cassette, ouais, on fait double, on copie, on fait, on ralentit, on pitch le moins, on ralentit, on peut, 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 qui était relé Quezier du Roseau. OK. Quezier était sous tambour mais musique pim 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 et aller rapide, tu t'es pas reçu. Je pidi pidi pim pim pim, je ralentis le rythme. OK. Ne mou pendant ne mou sur podium, ne mou dit ça fait bon, continuez. Et puis Julien Paul dit moi même personnellement et puis le mou dit continuez comme ça, ne mou accompagner monsieur et puis ne mou dit ça son bon compas. Ça fait dit mon compas à l'époque. Le mot compas existait déjà mais pas le rythme. OK. Compas instrument pour tracer. Compas, le monde n'a pas la voix, il dit, comment ça passe? Souvent, ça va, mettons sous compas. Il dit, ma foi, prends mes oui. Donc, Diaz, je dit ça, il dit, sous compas, mettez-vous sous compas. Et puis, comme ça, le monde dit, et puis, compas, direct, oui, là. Il dit, ou pas, fait trop effort pour danser, tu m'as dit, bim, 1, 2, 1, 2. Il dit, directement, direct. Tout droit là-dedans. La donne. Et puis, Julien Paul dit, pour la première fois, compas direct son musique. Et de là, nous allons commencer à fin année 56. Nous allons commencer à peaufiner le compas, chercher le petit bagage, mettre la dani, et mettre basque, nous allons prendre la musique, et le pont de la rivière Kouai, etc. Nous allons tomber en 57. Le rythme, là, pour commencer à prendre forme. 57, début 58. Le rythme compas, pour commencer à prendre forme, pour de vrai, pour de bon. Et mettre son rythme qui est un rythme 1-2. Ouais, d'accord, qui pourra commencer à imposer, et ici pour tout le monde qui a un plan là, puis qui peut danser des jeunes, ne mou son sauveur. Ah, ah non, c'est bah, facile pour danser, et puis ne vous prend plaisir là-dedans. Ok, mais est-ce que compas pas subi une certaine influence, comme si de l'autre tendance et musicale yo? Oui. Tant que le jazz. Parce que tout comme exemple. Nous parlons de pas une langue pure, pas une musique pure. Pure, ok. Toute musique subit une certaine influence. Wap ou sou prend musique troubadour l'op gade pou semble à compas. OK. Sou prend ça fait ou parle de world beat. OK. La musique world beat là ou joine tout monde joine un petit cal la donne. Ouais. Sou gade on kizumba kounya y a parlé de lié là, wap ou elle semble à musique haïtienne mais contingent puis l'op gade compas li même bon zouk là c'est l'enfant légitime du compas. Donc yo mélangé. D'accord. Yo mélangé à dire compas li même influence que t'es subi, li t'es subi ou influence à un moment donné. De musique cubaine, non, que le vin de lui directement. D'accord. D'accord. Mais pas oublier, au point le haïtien pour le dire que musique cubaine, non, bon, c'est de lui qu'on parle à Vini, le mot son imitateur, etc. Mais il faut ne pas oublier, il y a l'autre théoricien qui avance en l'autre thèse qui est intéressant. Il dit que musique cubaine, non, dérivée de musique troubadour. Okay. Il dit, on a l'occupé Saint-Domingue, on a l'occupé Zone, non, on a l'occupé Saint-Domingue, nous allons à la musique troubadour là. En année 25 avec Boyer. Okay. Dans la musique troubadour là, nous avons pris la musique troubadour là, transformé le bain merengue. Okay. Et puis nous-mêmes, nous venons retourner dans sous ça encore, nous prenons comme si son musique étrangère. C'est ça qu'il faut pouvoir voir que compare très semblé à troubadour. D'accord. C'est parce que là, aller, et puis il transforme en merengue, nous prenons la merengue à nous tourner, et puis il y a une ressemblance entre son effet boomerang, son ressemblance entre compare et troubadour là. D'accord. Mais ça n'est pas les graines si ou là. Où est-ce que le troubadour a marché? Ou senti son compas, qui manquait instrument, mais où retrouver la donne. D'accord. Où retrouver la donne. Mais compas, concours toute notre musique, les super influences. Et nos deux musiques cubaines, que le dérivé de l'idée. Que dérivé de lui-même, exactement. Oui, merci, M. Deville, parce que l'information, ça, c'est pas tout fun qu'à Junio, c'est pas tout le monde qui cherche tout. Mais nous joignons, nous, là, qui a parlé de un grand homme, de mon Jean-Baptiste, qui nous capable d'accorder la paternité de la musique haïtienne. Mm-hmm. Donc, et moi, c'est que alors on dit du compas direct. Du compas direct. Parce que musique haïtienne, alors dit musique haïtienne, il y a la chanson haïtienne, il y a la musique troubadour, il y a le compas,
Bon, est-ce que nous pouvons nationaliser le rap là? Bon, le rap n'est pas de nous, okay. Mais il y a la chanson haïtienne. La chanson haïtienne, je viens de dire ça, Antidéo chanté, Yol chanté, Michel chanté. D'accord? Il y a la musique de culture aussi, que des jeunes déconduits en pile. D'accord. Et dans la musique de culture, là, il y a plusieurs rythmes. Il y a Yervalou, Petro, Nago, Rabodai, et enfin. Nous espérons que tous les spectateurs prennent les informations qu'il faut. Nous arrivons dans un moment pour nous prendre une autre pause musicale. Cette fois-ci, nous allons entendre une musique de Tropicana d'Haïti, Haïti Belle. Appréciez, s'il vous plaît. C'est vrai que si la caille nous gagne problème, mais pour nous connaître, il y a une richesse. Pour qu'il nous pas chercher les têtes ensemble, pour le retourner, faire des outils. Nous gagne bel soleil, belle plage, belle rivière, belle cette historique. Visite à sortir pour partout. Souvent nous toujours dit, la rue a ce salon peuple là. Côté monde n'a passé, fait effort, pas jeter pas drap. N'a construit un pays, tout a ici va fier de lui. C'est vrai, y'a dit, pays n'a pas développé. Mais pour songer, gagne en pile valeur. Si nous travaillons, la retourner, perle des Antilles. Nous des fêtes champêtre, la carnaval. Belle boîte, belle chute d'eau. Visiter cantine appréciée. Souvent nous toujours dit, la rue a ses salons peuple là. Côté monde n'a passé, fait effort, pas jeter pas drap. N'a construit un pays, étranger pral content vini. We'll be right back.
Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Hein, si je ne savais. Si je ne savais, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontres, reportages, interviews et analyses. Le métier de la radio en Haïti, ce n'est pas un métier facile. Et je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bague. Si je ne savais, waouh, la relève est belle et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission « Si jeunesse savait ». Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, deux adresses, Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer, Centre-Ville, 33, avenue Charles Sumner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session d'avril 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact. Hey, vous mangez? Hein? Vous faites manger? Vous mangez? Si je le savais. De retour après la pause, nous espérons que vous avez apprécié ce que vous avez. Mais nous allons continuer avec questionner, bien entendu, parce que nous connaissons impatients pour capable connaître ce grand personnage ça, qui c'est Nemo Jean-Baptiste. Mais directeur de ville, nous connaissons que même pour le jazz qui marquait et longtemps aux États-Unis, nous avons aussi eu de grands ténors du jazz, tant que Will Armstrong, Kid Ozzy, nous avons et James Smith, etc. Est-ce que même si on peut comprendre en Haïti, nous ne conseillons pas de grand ténor tout, à part Nemo Jean-Baptiste. Est-ce que nous conseillons de monde qui a été marqué le combat direct? Bon, et ça c'est sûr. Il y a Nemo, le père du compas, okay. Le créateur. Et c'est lui-même qui met Causea, maman Causea, papa Causea. Mais après, il y a tout, il y a un paquet d'autres grands musiciens. Okay. D'ailleurs, et sous prend Sule Sule, c'est Nemo qui pourrait aller présenter Sule Sule au grand public le 22 décembre 1965. Okay. Et Plombal Cabane Choukoun, Nemo l'an intermède, et puis il y a une petite pause, et puis on a invité Sule Sule monter sur le podium. Non. Okay. Sule Sule monter sur le podium, non. Tellement épaté le monde, le public a waouh, le Nemo vient pour le tourner, il y a un visuit qui dit ça toujours. Et son petit jazz, il y a un mèche déjà joué. Il est habitué à Nemo, tout le temps, Nemo, il a envie d'en dire. Et Sule Sule, tu es pour maestro, et Serge Rosenthal, okay. Qui était très apprécié, qui vivant toujours, hein, qui était très, très apprécié, était très aimé, monsieur. Pourquoi bon, bon monde qui parle maquiller musique haïtienne? Quand dernièrement, là, on parle d'un grand musicien, un grand saxophoniste qui mourit, qui c'est le préfet de Brooklyn, Gérard Daniel. Okay. C'est un grand musicien. Weber Sicko, qui te prétend que le patap jouait, qu'on parle tap jouer, il te dit, tap jouer bon, tu as le map changé. Tu dis pas jouer compas direct, tu as joué cadence rampant. Okay. Mais cadence rampant, qui ça le dit? C'est ton dérivé de compas direct. Compas direct, là, tambour marché, pidi bidi bim, pim pip. Et cadence rampant, qui ça le pidi bidi bim, pim pip pip. On t'y nuance en plus, et puis tu dis c'est cadence rampant, là, joué. Donc, mais tu étais plus grand musicien que nous, moi, j'ai dit. D'accord. Ah non, il était bien formé. Mais pour qui sort dit ça? Merci de qui sort dit ça. Personnellement, dit si côté 50 000 fois plus grand musicien passé. Okay. Mais Nemo était assez intelligent, assez madré. Et puis, il y a une grande différence entre deux nègres, entre Nemo et si côté, des deux bons amis. Il y a un monde qui dit compère, il n'y a pas compère, vrai. Parce que il n'y a pas de baptisé petit l'autre. Mais il était tellement bien, il était allé au compère. Compère. Et il y a une différence entre deux musiciens. Nemo, c'était un homme. Et qui en l'obgade ne moune moune ville en lui-même. L'on passe au salut maestro, maestro, oh, comment ça va? Il y a un petit grand ville en lui-même. Si qu'on salue, salut maestro, salut, grand froideur. Ok. Ne moune gagne. Les lap joué, c'est la fait intéressant. D'ailleurs, l'histoire rapportée, M. Chiré, grand paramount,
Pendant la souffle, on sac, et puis il tire pied le derrière, et puis écran, pied la chire écran. Et si on est qui toujours à battre col. C'est un one man show. Ah non, son one man. Si on est qui a fait show, là, le podium, non? Son animateur et un musicien à la fois, pète ambiance. Ouais. Donc il fait, t'es un pilote grand musicien, et qui parle, ou dit, si c'est compas, bon, t'as pas besoin de citer les grands Raoul Guillaume, etc., pas de vieux compas. Mais l'on prend après, on va aller gagner un saxophoniste qui est Gérard Daniel, on va aller l'autre saxophoniste qui est Georges Loubert Chancy, on va aller de très grands hommes, type Plume comme guitariste, Dadou Pasquet comme guitariste, qui est encore vivant. Okay. Ah non, on ne comprend pas le connaître, ça dépend de fois. Pour nous qu'à bien répondre à la question, ça fait un limité tous les 10 ans, dès qu'à prendre de 70 à 80, 80, 80 à 90. Okay. Ah non, parce que nous avons des musiciens. Nous avons des musiciens. Mais il y a toujours parlé non, souvent de certaines anti-rivalités qui toujours existaient entre Nemours et Siko. Parlez un peu de rivalité, ça. Est-ce que nous sommes capables de dire que la rivalité, ça, est progressiste? Est-ce que le genre de rivalité, ça, même si nous remontons le temps, nous mettons aujourd'hui, hein, est-ce que nous sommes capables de dire que le genre de rivalité que nous avons aujourd'hui, c'est la même rivalité qui est dans le temps entre Nemours et Siko? Bon. D'abord, il faut dire que Nemours avec Siko, ils étaient bien en pile. Ils étaient dans le même groupe, Conjunto International. Ils étaient dans le même groupe. Après, monsieur vient par le même groupe encore. Je me dis que Siko, comment Siko quitte? C'est un couple qui baille pour aller changer. Siko prend un couple, il est touché. Il a un groupe là encore, il quitte. Mais ça n'a pas t'empêcher de négocier bien. Il a toujours continué bien. Et Siko lui-même, et bon, le gars de l'Ouen Nemours prend pied, parce qu'il n'est pas conformé au groupe là. Hein. Nemours fonde le groupe là le 25 juillet 1955. Siko pour mettre le groupe là sous pied, hein, et orchestre de Siko le 22 août 1960. Soit cinq ans plus tard. Mais Nemours lui-même qui était dans le sac, il a attaqué Diaz des jeunes qui t'a marché. Diaz des jeunes a fait, il lui répond Nemours. Pourquoi nous, par exemple, on a mené, et puis un jeune groupe attaqué, parce qu'on répond, il vient commencer un jeune groupe là tout. Oui. Était traité en sorte de publicité. Était traité une musicien de maman canson, tu as répondre Nemours et puis Meni. Bon, et puis Nemours paraît qu'on a parlé de polémique. Oui, okay. Qui ça Nemours dit, qui ça Nego dit, etc. A traité Nego de vieux grand monde, etc. Okay. Et puis Nego même c'est de faits intellectuels, tout. Hein? Ah, on était directeur musical de Jazz des Jeunes qui était Lontal Sidas Murat. Okay. Ah, fin musicien. D'accord. Ah non, extraordinaire. C'est une cap. Composer des textes extraordinaires et puis des musiques extraordinaires. Extraordinaire. Et puis monsieur lui-même a écrit des textes extraordinaires. Monsieur lui-même, t'es tellement fait musicien. Bon, il dit qu'on a reçu Baptiste Santo de l'étranger, de Cuba. Et puis là, nous, moi, attaqué Nego, monsieur dit, vous n'avez qu'un seul rythme que votre compas voisin, à vous entendre, on dirait que de simples stagiaires. Tu as peut-être manqué Nego, les gars. Nego, bouée flèche, tout Nego, bouée flèche. Et puis, jusqu'à ce que Nego vienne prendre le dessus sur Nego, parce que Nego a besoin de musique qui est facile. Oui, vous connaissez depuis qu'il y a facilité, il y a un monde ça, qui est branché sur ça. Mais si qu'on peut le remarquer que Nego finit de prendre pied, si qu'on peut même jouer, Nego est joué, si qu'on peut lancer son flèche sur Nemo, Nemo va le faire, va le répondre, Siko, et puis Siko monte. Et de la rivalité, là, elle est juste au carnaval. Okay. Et du temps de Siko et Nemo, carnaval, comme on le fait, tu sais, le camion a basculé, Nego monte. Okay. Et bien, pas fashion de matin, un gros camion a basculé, dans bascule là, et puis le musicien a joué, musique mariée. Donc, et ils te font bon temps rivalité, ça, entre Siko et Nemo. Quand vous demandez, est-ce que tu es même dans la journée, je dis, non, il était plus propre. Okay. Et pas qu'on entre dans le bagage trop privé. Est-ce que vous comprenez? Et si côté ka yon a dit l'autre, que vous avez un boule malade, tchong, l'autre l'a dit, etc. S'il vous plaît, New York, mis un instrument neuf. Et que vous ne montez dit, si vous avez un boule touché deux fois, si vous répondez, si vous payez deux fois, ça laisse son balle jouer. Okay. Et puis, maintenant, le club là, fin payé, monsieur. Et puis, passez contre madame dit, oh, vous pouvez marier, marie ni pouvez pas payer, mais non. Vous payez la deuxième fois. Si vous ne mouez après, ça ne moule à gonfler sous monsieur et tout ça que t'es doux touché deux fois si quand même comme mesdames ça que t'es doux payé deux fois tu vois donc des petites plaisanteries qui pas te déranger mais n'ayez tes amis d'accord mais kounya là polémique a fait là moi son bagage qui trop privé au point n'ayez pas parlé de madame ou trompeau madame ou quito il y a des bagages qui a fait n'ayez trop mal ou qui a blessé l'on deuxième fois en supposé ben n'ayez pas madame était trompée le vrai il y a 10 ans commence à guérir de ça mais mon répété pas au long de mon carnaval mon cher ça fait n'ayez mal doublement et tu comprends. Et je pense que je vais mettre un petit bémol. Right? Mais l'entend si cool, l'entend le mot polémique, quand t'es propre. Il était belle, tout le monde est d'accord. D'accord. Tout le monde est d'accord, il n'est pas dérangeant. Ok, on essaie de parler un peu de compas. Ok? Que nous sommes capables d'accorder paternité avec le mon Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui caractérise le compas? Bon, l'obtenant d'un zouk, l'obtenant d'un kizumba, l'obtenant d'un compas, ça qu'il faut dire son compas. Compas d'une façon, il marche. Ok. Compas d'instrument caractérisé.
tambour, pidi pidi pim pim pip pip. D'accord? Il y a cloche cop 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 cop, ça n'est les percussions. Okay. Cloche à taper. OK. Il y a guitare tout marché, on basse ça marché 1 2. 1 2. Mais actuellement, musiciens, jeunes musiciens actuels, on dit en varié, le marché guitare, on l'a dit, ouais, okay. On a parlé dans le temps, okay. Ouais, guitare, machin, un, deux. Donc, qui fait ça, c'est l'élément caractéristique de compas. Mais là, on zouk, zouk la retirer, cloche là. Okay. Il va cop, 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 zouk la retirer. Mais c'est son compas maquillé que zouk là. D'accord. Ouais, mais compas, c'est ça caractérise. Mais on mélange, il allait rapide. Okay. Donc, il fait que compas, des fois, on tend beaucoup à dire, pip, 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 et puis, un peu lent. Cop, 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 guitare 1, 2, 1, 2. Okay. Bon, n'importe monter ou t'avion, vous rentrez dans la ligne, ça, vous okay. Commencez à prendre long compas. On peut essayer de lever danser. Okay. Ouais, c'est parce que le senti, il retrouve dans ça. Dans ça. C'est ça qu'il faut le retrouver dans la musique troubadour. Là. Okay. Okay. Ouais, il retrouve là-dedans parce qu'il est très proche. Très proche. Mais est-ce que qui appréciation selon vous-même de compas à l'étranger? Est-ce que vous êtes capable de dire ça que même genre, l'autre tendance musicale, il y a une certaine appréciation en Haïti, compas à tout, les à jouer à l'étranger, est-ce que appréciation, est-ce que les étrangers aiment le compas? Est-ce que l'étranger oui. Aime le compas? Oui, j'ose le dire. Parce que, me rappeler, m'attendais, et un slammer, la fouine qui a chanté Karimi. Ok. Si je ne me trompe pas. Et me un japonais qui a chanté Zouk. Et le Zouk, c'est l'enfant légitime du compas. Compa. Ok. Et ou qu'on a un long bal à l'étranger, ou a des étrangers qui ont fait pas genre qu'on est, mais ils ont trouvé la musique, mais ils n'ont pas qu'on ne marque pas genre pour ta maquille, okay. Mais ils ont dansé, ils ont bagaille. Ils ont dansé, compas. Et ou a regardé tout, que le tabou qu'on boit fait des tournées à l'étranger, mon cher Blanc a dansé, et son bagaille extraordinaire. Okay, il n'y a pas même qu'on ça à faire, mais musique a traversé. Traversé, vous comprenez? Étranger, ça qui passe, c'est que. Et compagnon, il dit, il y a un vrai problème. Il y a qui fait pas sous keyboard libéré. Il n'y a pas passé la radio, tout trop long. Okay. On pas un petit problème. Bal. On est capable de jouer un compagnon a duré 6-7 minutes et c'est même refrain, il a eu 2-3 fois. Blanc, lui-même, son bagage, il a eu 3 à la rigueur 4 minutes en musique et puis la musique a fini. Même nous prenons compagnon, nous avons refrain, nous rebaillons encore, nous rebaillons encore 2-3 fois. L'autre musique, c'est Adelina, ma chérie. Ok. Son musique extraordinaire que vous considérez comme un classique du genre. Adelina du GM Connection. Adelina, ma chérie, elle n'aime pas s'arrêter pour miser frère. Je ne vais pas même faire plus que 3 minutes à chanter la musique. Okay. Et puis c'est solo. C'est Adelina, ma chérie, Adelina, ma chérie, jusqu'à ce que la musique ça a fini. Donc, des fois, la musique a duré près de 9 minutes comme ça. Okay. Donc, c'est des CEO. De peu lassant, le fait que la voilà. Prise retourne et retourne. Il y a un dérangeant. Okay. C'est ça qu'on dit empêcher qu'on pas international. D'accord. Tout. L'autre bagaille qui est considéré comme. On l'a dit en but, on l'a dit en trave, on l'a dit pierre d'achoppement pour comprendre. Et langue dans tout. Okay. Parce que maintenant, c'est vrai, la djaye, la baga, mais il a plus ou moins remé besoin comprendre. De comprendre ce qu'il dit. Okay. Il remet qu'on parle, danser, il a sauté pompé. Mais parce que vous remarquez que ce n'est pas sans raison que Marc Anthony okay. Chante en anglais. Ce n'est pas sans raison que Jennifer Lopez, qui n'est pas américaine, chante en anglais. Ce n'est pas sans raison que Céline Dion chante en anglais. Ce n'est pas sans raison. À ce moment-là, il n'est pas fou, il a chanté en anglais. Que, parce que son marché, tout le monde a aimé percer. Okay. Et son marché, leur percelle, ou fait comme. En pile. Ou fait gros comme. Wyclef, chante en créole, créole seulement. Bakwell, tu as fait succès, elle t'a fait. Ce n'est pas une critique, non, mais son réalité. Okay. Ou percer marché, ça, eh bien, il faut que nous acceptions et puis. Ou pour aller. Faut qu'on comprenne notre chanson. Après, Ansi Deros, tu as commencé à chanter Merci en anglais. Okay. Il a cherché à percer le marché. Son marché est important et ce n'est pas sans raison que faire. Ouais, et des Latinos, des Français, tout le monde a chanté en anglais. Il faut que tu texte en anglais. Pour... Et Charles Aznavour mettait plusieurs textes en anglais. Et bien, fou le fou. Il y a un bagage à chercher. Ouais. Donc, il faut penser à percer d'autres marchés parce qu'il faut internationaliser, compas. Mais pendant ce temps, pendant la pensée à internationalisation, compas. Nous-mêmes, comme haïtiens, comme musiciens haïtiens, pour la plupart, m'a observé Negyo de près. Negyo, même, yo hypocrite entre eux. Okay. Comment comprendre que des musiciens qui n'ont pas parlé de Neumon Jean-Baptiste Valeur Tadou. Ah non, pas parlé de Mati. Qui ça, le Port-au-Prince, qui rappelle Neumon Jean-Baptiste? Pas grand-chose. Vous avez remarqué, moi-même, c'est pas sans raison, je viens dans l'émission là, en chemise rouge et blanc. Rouge et blanc. Ce sont les couleurs de Neumon Jean-Baptiste. Okay. Est-ce que vous comprenez? Okay. Donc, et. Musiciens, pas parlé de Neumon Valeur. Je regarde dernièrement, il y a une messe que Fondation Compagne en Martissant. T'as fait pour Neumon Jean-Baptiste dans Matissan. Okay. Pas qu'on green musicien, non, 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 c'est Bernadette. Allez, et c'est là, Neumon t'es là, dans Matissan. Oui, dans Matissan. Pas qu'on green musicien, m'a profité, mon gros coup de chapeau, me lancer by Franz Duval. Okay. Franz Duval qui est directeur, nouveliste,
Monsieur là depuis avant Mesna. Gonti retard, monsieur Chita là jusqu'à ce que Mesla fini. OK. Ça c'est à respecter, moi me dit monsieur chapeau. D'accord. Mosé dit monsieur publiquement. Son là qui gagne un bagage valeur et il reconnaît et respecter. C'est pas un, pas que pas de gagne pour faire la caille, il lit dans journal là. Non. Il vient suivre Mess sous le respecter mémoire et un grand homme. Pas bon musicien. Puis on dit c'est la diaspora, mais qualité nèg qui là sous béton là mes amis. Ben la fête des derniers mois là pour anniversaire de Mou en février là. Pour pas qu'on ait qu'à l'assister mais ça pour Mou Jean-Baptiste. Le ministre de la culture n'était pas là. Malheureusement. Sérieux monsieur. Donc faut valoriser le monde d'abord avant pour demander étrangers à valoriser le pour nous. C'est important. Bon, notre problème, le problème des Haïtiens, c'est que nous pas souvent valoriser valeurs culture que nous gagnons propre à nous-mêmes. Nous souvent remet prendre bagaille qu'à l'extérieur. Mais on essaie de continuer monsieur Deville. Dans quel niveau comparer qu'on y a là, je veux dire. Comme c'est par rapport à Jean que Nemo Jean-Baptiste créé, est-ce que l'idée dévié ou bien est-ce que l'idée perfectionné? Selon même dans quel niveau que mot perfectionné à fort. Parce que Nemo t'es gon vision de compare. OK. Bon façon t'es ouais compare. Mais gon bagage qui passé qu'on y a là, petit groupe 3 monde, 2 monde, 4 monde et puis virer tourner mais qu'on parle tout monde met en l'air, levé met en l'air. Ça nous pas qu'à dire perfectionné. OK. Dire ça commence à jouer pomme la éteinte lumière, éteinte lumière, éteinte lumière. Là, on n'a pas qu'à dire le perfectionné. Texte, on dit des petits textes qui baillent des problèmes, droite et gauche. Texte, on dit en pile bêtises. Et longtemps, monsieur, longtemps, on t'a chanté la nature, on t'a chanté la femme, on t'a chanté, en fait, toute bagaille qui est sous yeux, nous, qu'on n'a pas admiré. Mais monsieur Kounia, c'est. Bon temps, d'ailleurs, mon autre tendance encore, l'ami temps, chaque musique, qu'on pas gon rap, gon rappeur qui rentre là, la donne. C'est comme s'il t'a voulu venir indispensable en musique qu'on pas pour le marché. Okay. Là, ça va être problème. Ouais. M'pap dit que tu as perfectionné. M'ta dit que tu as dû faire un petit redresser les bacs là. On continue à bon texte parce que actuellement, ou qu'à contrôler ce doué tout, qui est-ce qui a bon, bon texte, qui est-ce qui a fait un bon travail. Okay. Mais longtemps, tout le monde connaît, tu es un pile groupe. Chaque quartier est un groupe. Canapé vert, tu es un pacha. Chaque quartier est un groupe. Dans Pétionville, même tu es chargé groupe. Dans Pétionville, dans Pétionville, tu es plusieurs groupes. Tu as beaucoup bon, bon, etc. Okay. Et là, je garde en fait, tu es un paquet de groupes dans tous les côtés. D'accord. Carrefour, tu es un fantaisiste, etc. Donc, c'est bon que. Mais tu as fait un travail positif. Parce que même si tu as une musique ou un album qui marchait, ah, on va prendre chance de sortir n'importe qui bagaille. Mais quand on a un gars sorti tout bagaille, et quand on a tout le moment qu'on tendance, c'est bagaille qui est côté trivial qui marche. Ok. Je ne vais pas vous dire ça. Bon, malheureusement. Je ne vais pas vous dire ça. C'est ça qui fait ne pas parler de perfectionnement parce que là, le niveau texte, il y a un petit baisse. Et le travail texte, parce que monsieur Londres a un avantage tout. Il n'y a pas trop orgueilleux. Okay. Il y a un bon texte de Oswald Durand au Chantel. Chantel. Okay. Il y a un bon texte de Philoctète au Chantel. Il y a un bon texte de Franck Etienne au Chantel. Et Franck Etienne, pas de problème à ça. Ou bien, il y a un texte, il y a un texte, il y a un texte, il y a un texte corrigé. Monsieur Volsi, il y a un texte en pile. Marc Volsi. Donc, c'est pour nous que c'est ça, orgueil, nous ne permet pas de nous faire, que nous devons faire. Ok, mais il y a souvent là, parlé de musique haïtienne. Il y a souvent, il y a un Jean-Baptiste en place qui le mérite réellement. Mais avant Nemours, tu as gagné musique en Haïti. Pour qui ça, c'est souvent plus ouais Nemours que, bon, par exemple, sur le dit que Tabou Combo ou bien Septan, qui depuis 1948. Septan 48, mais juillet 48. Donc pour qui ça, pas trop remarqué Moun Sayo, dans place Nemours Jean-Baptiste. Bon, parce que moi, tu as dit tout à l'heure que Septentrional, ok, Septentrional, il y a le diable des jeunes en 43, le fond, mais il tape joué musique de culture, Ibo Petrou et Yan Valour à Bodaï, d'accord? Il a interprété toute musique de culture que nous avons quitté là, des musiques conventionnelles. Okay, interprété, il fait une, deux, trois, tout. Et on a fait la musique Papa Loco, Voye Malé, etc. C'est Papillon à Voye Malé, etc. Et on sait de musique qui était là, dans la culture, non? La culture, non. Là, on prend Baptême Rat, par exemple, des musiques qui étaient là, dans la culture, et Négo Vinab joué. Là, on prend Septentrional. Septentrional, moi, nous, on a joué Pachanga. Guala Tia, Tia Tia Tia, okay. C'est des musiques étrangères. Il était joué de toi, musique de culture. Donc, il y a là un groupe qui a interprété, et puis il y a un autre petit groupe encore pour qu'on ait non. Mais ne mou, pour aller venir au bagage de neuf. De neuf, on va aller de nouveau. Il peut venir au bagage de neuf, okay. Que tout le monde qui peut cadencer musique sérieux, une facilité pour eux. Sauveur pour eux. Okay. Et puis tout le monde embrasser ne mou comme un sauveur, mais n'est pas eux, mais groupe pas eux. Ne mou a fait plus de 10 ans dominer la scène musicale haïtienne. Ouais. Donc, comme je ne suis pas mon sauveur, il y a adopté compas. Tout le monde a dansé compas. On dit que les musiques pas trop fort pour faire. Et bon, et mais en plus, il a critiqué le mot parce que c'est le mot. Il était là. Il était ouais, ça mal. Oui. Monsieur a imité le monde. Monsieur a fait ceci. Bon, on est critique. Mais le mot était qu'un là. Le mot était dit. Le premier monde qui était félicité pour ça, il était fait. Hein?
et c'était deux monde maestro Diogène de l'orchestre Citadelle, mais okay. Moun littéraire mais appréciation de compagnie c'était Guy Durosier okay. qui était dit monsieur mon cher ça son belle création Kembela okay. Guy Durosier est un fameux musicien grand instrumentiste né, qui jouait piano jouait flûte jouait sax monsieur pas de instrument il va jouer tout okay. est, chante bien tout hein d'accord. Non c'est un grand musicien donc c'est ça que fait ces deux mondes ouais, parce que deux mondes ont ils ont show off ils étaient ont ils gens intéressants bagasse on est qui paraît qui jolait oh, okay. Mais okay. tout hop hop ouais deux mondes sous quatre tout album deux mondes ouais deux mondes fait plus jolait pour compas que tout le monde sur la tête c'est lui qui met compas okay. Les rythmes commerciaux les compas électroniques les compas nationaux les compas internationaux il bat compas tout non tout, tout ça c'est des musiques différentes à jouer et puis il baptise compas international compas national rythme commercial compas électronique donc c'est une truc t'as fait jouer, t'as fait promotion pour propre création. Okay. Ouais. Mais malgré ça, nous-mêmes, nous, jusqu'à présent, très, très ingrats envers Nemours. Malheureusement. Parce que, pas gagné n'importe quel prince qui rappelait Nemours, pas gagné Ruyel, pas gagné Boulevard qui rappelait Nemours Jean-Baptiste. Et pas gagné un monument. Mais Kalian toujours là, Marty 107. Voilà. Kalian Nemours toujours là, Marty 107. Mais si vous regardez le document que l'on a, un document préparé sur Nemours Jean-Baptiste, en bas, Kalien a son banque-bolette. La maison de Nemours Jean-Baptiste, le créateur du compas. Yeah. L'Oral oui. Jamaïque, là, Kay Bob Marley, son musée, il okay. faut payer pour entrer là Kay pour le garder. Qui sera le garder l'entrée Kay Bob Marley? C'est l'ancien vieux bot Bob Marley qu'on a metté pour le chanter. Ancien. C'est instrument. Belle, des sur belle bleue. Okay. Et c'est tout ça que radie, pantalon qu'on dit en lambeau, quel que soit ça que tu es appartenu à Bob Marley, qui l'a toujours, il a exposé pour payer pour le garder. Kay Nemours, son banque bolette. Quand nous avons passé dernièrement, même peinturé ou pas peinturé. Mais côté ministère de la Culture, ça c'est donc patrimoine national. Côté Hispan, on est sérieux, monsieur. Et Mboaldou, c'est étonnant ça, Mboaldou là-là. Okay. Nous avons rapporté plus COB à l'économie haïtienne que APN, que AAN, que Téléco, que toute l'autre institution qu'on est gagné. Ah, vous trouvez ça étonnant. Très étonnant. C'est simple. C'est simple. Calcul la simple, si vous permettez, moi, m'a fait l'abord. D'accord. Lorsqu'on par exemple, on dit vendredi soir, on décide à le danser. On décide à le danser zinglin, on décide à le danser cadence, un groupe quelconque. Okay. Et vous prenez madame, on dit ah, chérie, ce soir, on va danser. Fait calcul avec moi. Vous pouvez être devant un champ et vous payez 2 dollars. Nous dit 2 dollars haïtiens. On ne parle pas comme ça. Okay. Ouais? 2 dollars haïtiens. Et au lieu de dire good, vous n'allez tromper. Nous, nous ne parlons pas déjà. Que excusez-nous si nous ne parlons pas comme ça, mais nous y a pas comprendre. Vous payez 2 dollars, on nettoie sous l'eau. Vous faites 100 dollars gaz. Okay. Nous d'accord. Ouvrez madame Moulin studio pour 200 dollars. Fait calcul là, il est en dessous 302 dollars là. Mm-hmm. Pas vrai? Ou acheter deux cartes. Nous supposons que balle là 150 dollars. Okay. Mais nous comptons balle aux États-Unis en USD. Okay. Balle là 150 dollars ici, 300 dollars. T'as qu'à faire 300 plus 200 pour madame, pour 500, mm-hmm. plus 100 dollars gaz, qui a plus, ça dépend des autres petits. T'as qu'à faire 600, 2 dollars. 602 dollars, oui. Et ouvrez Radio Nandraï pour 50 dollars. Okay. 652 dollars pour même ou pour compte dans balle là. Okay. Ou dehors toujours. Vous lavez machine pour 20 dollars, ça fait 672 dollars. Okay. Pendant deux heures, toujours, qu'on est rentré dans la balle. Lorsque rentrez dans la balle, vous supposez comme c'est madame, okay. et vous consommez pour 500 dollars. Okay. Voilà, pour vous-même seulement, vous êtes dans 1000 combien de dollars, 1100, 1200, 1300, pour vous-même seulement madame. Madame, vous ne mangez pas en pile ou pas mangez en pile. Okay. Et vous avez des petits biens, vous prenez, etc. Guinée, les rives, l'on balie même ces bouteilles, je ne vais pas les citer, non, grand bouteille qui vendent très cher, okay. qui sont établies. Moi, je me rappelle, mal l'on balie, moi, je n'ai pas payé d'acheter une bouteille de whisky, bon, je ne vais pas les citer, non, il va payer, il va payer, il fait promotion pour okay. eux. Bouteille whisky à vendre 750 dollars, et presque chaque table gagne. Oh. Donc, on donne qui sont table comme ça, ou même 1100 dollars dépensés, il n'y a pas quoi pour les gens. Il dépense au moins 3000 dollars, madame, lui-même, okay. avec Zamel. Okay. Donc, on prend son table comme ça, on est, ou même, modestement, on dépense 1200 dollars pour une soirée. Il y a près de 500 couples comme ça dans la balle là, qui dépensaient 2000, 3000. Ça qui est en fait, ou qui sont comme ils font. Maintenant, le club là, il met pas nous dehors pour le faire balle là, oui, pour moteur balle là. Oui. Il paye des GI pour ça, il paye artistes là pour ça. Maintenant, il a acheté cabrit, il a acheté bœuf, il a acheté banane, il a acheté gaz pour le faire. Il paye pour ça. Il a payé jazz là pour le jouer. Pour jouer. Ça, c'est son cop qui dépensait. OK? Quand il y a là, autour de balle ça, moun ça fin consommer comme ça. En dans club là avec Nike club là mon cher gain près de 300 à 400 000 dollars boulé là carrément dans tout ça n'a me dit là carrément et pas gain seulement balle ça pour soirée là d'accord si c'est l'an Dumba là aller gain balle dans club international gain balle dans Taraz gain balle dans l'ambina club Carrefour gain balle dans Méridien gain balle en Haïti il y a seulement gain plus combien de dollars boissé autour de compas en seule soirée bon.
voir, gen bal Boston, gen bal Miami, gen bal New York, gen bal Connecticut, si son période vacances. La même soirée à travers le monde, combien de millions de dollars dépensés là autour du compas direct? Et pendant ce temps, si club de danse, on est allé danser dans le restaurant dansant, c'est compas à danser, c'est Zouk qui a dansé. Le Zouk, c'est l'enfant légitime du compas. Guadeloupe, Martin, tout le monde a joué. Si on prend une soirée ou des millions de dollars qu'on a dépensé, le compas a plus de 50 ans. Fait tout comme ça, multiplié par 50, pour dire qui institution ici qui rapporte plus comme que ça ne m'ont fait. Donc c'est pour vous dire, et ne mourrez mort dans la crasse, ne mourrez mort dans la misère. Ne mourrez aveugle, n'entendez voix ne mourrez, son voix ne mourrez. Ne mourrez pas dire en époque carnaval, ah, il dit, ne mourrez, ça vous a souhaité, tu dis, bon, même si m'ba ouais, n'a mon ami passé pour moi, pour mener un champ de masse, même si m'ba ouais, m'attendez de diazo cap passé. Mais ça, ça veut dire, le créateur du compas. Bon, ben, n'est-ce pas qu'on a rien, l'encompas n'est-ce pas fait million, l'encompas là. Le créateur est mort dans la crasse. Petite nemou là, dans ma tête sans tête. Monsieur là toujours. Petit toutou. Elle est comme ça, petit non-jouet. Monsieur, monsieur, pas de travail, Kounia. Monsieur, t'as travaillé en affaires sociales, mais. Ils travaillé dans l'hôtel Christopher, hôtel La Crasée, affaires sociales. Mais pas vous, monde qui, ouais, monsieur, l'en gros livre là. Mais tout n'est-ce pas, mais compas, biche, canon compas. Tout n'est-ce pas, dit, comparer les roussis, comparer les menaces, comparer les kekal, tout n'est-ce pas, tête ou non compas. Et, chose bizarre, gars, comparé à député, comparé à sénateur, comparé à président. Et vous n'avez jamais de monde dans le livre. Malheureusement. C'est de l'ingratitude. Ingrate Haïti, comme dirait Blanchard, pas Michel Gaillard, le père. Le père Gaillard. Ingrate Haïti. Non, c'est vrai. C'est pas possible. Nous, comparé à député, comparé à sénateur, compa ba président et puis compa à niveau salle pas international compa malheureusement importance de Moïse Baptiste doit gagner elle pas gagner mais compa qui très imposant en Haïti selon même qui apport social que compa apporté en pile d'abord compa son sorte de thérapie collective d'accord mais on combien couple qui t'as divorcé en musique compa réconcilié. Okay. Nous pas calculer ça. Okay. Ça fait me rappeler me faire une interview avec Rodrigue Millien. Rodrigue Millien dit Richard mon cher ou même comme musicien pas connait combien monde nous réconcilier, combien couple ou réconcilier, pas calculer puisque pas connait. Il pas dire, il pas dévoiler, ça pas qu'on côté que à l'enregistrer ça. Ou pas combien couple compare. Ou pas combien monde qui était désorienté dans la société qui pas tué tête yo et puis tant dans musique qui fait le connait que la vie pas finie et puis les changer fusil de police il pas le gourmet. Okay. Ouais. Donc ça veut dire que ou pas qu'on est tout bien fait compas, vous pas capable quantifier. D'accord. Mais le compas a une valeur extraordinaire, le compas et nous t'ai qu'a dit son élément qui t'a que mérité valoriser davantage. Est-ce que m'a dit davantage? N'a dit valoriser parce que moi ne pas valoriser là c'est. Okay. Oui, c'est une certaine ingratitude, hypocrisie entre eux. Et une certaine haine entre eux, ils n'ont pas d'écraser l'autre au lieu pour aider l'autre avancer, quand on gaz mandé dit dans la musique, okay. au lieu pour ils n'ont tiré l'autre derrière et puis toi ils n'aident bon en fait c'est grave okay. Ouais. Bon, heureusement nous il y a des personnes comme vous qui toujours là pour essayer rapporter l'histoire de grands hommes qui s'est offert dans la société et nous espérons que historicité ça que nous souhaitons faire nous prend Kembe histoire là, nous prenons les conseils qu'il faut parce que malheureusement, j'en dis là, pour les gens qui ont passé dans le niveau martissant après un état, côté Kayne Mojavazizan, je crois qu'il y a un marché de fritaille devant. Ah, des ordres, des ordres, des ordres, des ordres. Malheureusement, pour un grand type comme ça. Son Kayne en rouge et blanc, son Kayne Moun pour aller visiter son musée. Bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Saxophone de Moun a toujours, oui. Saxophone de Moun, non, moi, ouais, la Zieu, dans les dans Messe de Moun, hein. Okay. Et puis, t'es une exposition fait avec partition de Moun, t'es fait à même pas la bagaille. Au moins, elle t'es qu'à Mupana. Mais c'est Moun, nous pas de valeur en rien dans le pays. Nous, ministre de la culture, pas là, la messe qu'a faite pour Moun, Jean-Baptiste. Malheureusement. Bon, non. Sérieux. Bon, espérons que les conseils, ça, yo prend yo. Il a essayé de changer physio des points. Oui. Alors, par exemple, il y a des pliants ça là que me fait sur le monde Jean-Baptiste. Par contre, combien de fois que moi-même moi dit et moi invité des monde qui était qu'à des sponsors. Me dire bon pas besoin de cob là. Prends, multiplier ben, chaque jeune haïtien yon pour qu'a connait le monde Jean-Baptiste. Pas jambe bon monde qui intéressé à ça. Alors que le jeune américain connaît Michael Jackson sur le bout des doigts. Michael Jackson n'a pas créé la musique pop. Michael Jackson l'a vulgarisé
Et Bob Marley n'a pas créé le reggae. Bob Marley l'a vulgarisé. Mais le petit Jamaïcain connaît Bob Marley sur le bout des doigts. Et un pile haïtien compte Bob Marley sur le bout des doigts. De pas bête être menti. Mais Neumon Jean-Baptiste, mandon haïtien, qui est-ce qui est Neumon? Il n'y a pas qu'à dire. Quelle hypocrisie. Ingrat Haïti, comme dirait Roger Gaillard. Il a eu raison de le dire. Mes amis, on dégage pour nous faire meilleur coup à nous. Pour nous ressaisir nous. Pour nous revaloriser le monde Jean-Baptiste. Nous avons dansé compas, nous avons mes compas, nous avons dit mes compas, nous députés, nous sénateurs, nous présidents au nom de compas, mais au moins, on change sur cela. Nous avons boit de l'eau, on change sur cela. C'est important. OK. Nous sommes arrivés à la fin. Merci un peu, le directeur de ville. C'était un plaisir. Formation. Est-ce que ce soit un dernier mot, le mot de la fin? Émission, ça va être le jambon qu'on nous fait. C'est tout le temps pour nous faire, pour marteler notre état ici, pour changer le monde Jean-Baptiste. Quitter un grand homme. Nous espérons que vous prenez conseil, vous mettez en pratique et historicité, ça sonne Neumon Jean-Baptiste. Nous espérons que vous êtes bien apprécié. Tout. Nous sommes arrivés à la fin. Nous remercions parce que vous avez été branché avec nous. Nous vous donnons rendez-vous à dimanche prochain pour une émission pareille. Les jeunes parlent, ils agissent, ils produisent. Hein, si je ne savais. Si je ne savais, une émission culturelle conçue et présentée par les étudiants de l'ISNAC. Rencontre, reportage, interview et analyse. Le métier de la radio en Haïti, c'est pas un métier facile. Et je chante pour mon pays, je chante pour faire avancer et quelque chose de positif. Tout pour mieux orienter notre jeunesse et redresser la bague. Si jeunesse savait, waouh, la relève est belle et bien assurée. L'ISNAC a maintenant une deuxième adresse. L'ISNAC est désormais au cœur de Pétionville, à l'angle des rues d'Arguin et Métellus. L'ISNAC, toujours pour la même formation de qualité, en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, comptabilité informatisée, technique douanière, informatique bureautique, animation et présentation, assistance administrative et marketing, infographie, montage vidéo. L'ISNAC, toujours avec le même corps professoral, chevronné et expérimenté. 70% de pratique à la radio et à la télé, en plus de l'émission « Si jeunesse savait ». Assurez votre place parmi les meilleurs professionnels en vous inscrivant aujourd'hui même à l'ISNAC. L'ISNAC, deux adresses, Pétionville, 48B, rue d'Arguin, près de Place Boyer, Centre-Ville, 33, avenue Charles-Somner, à côté de l'OAVCT. Téléphone 33 23 28 28, 37 33 59 54, 33 70 80 92. Nouvelle session, 16 avril 2018. ISNAC, 100% d'impact. L'ISNAC fait encore et toujours des heureux, tout en garantissant votre formation. Pour la nouvelle session d'avril 2018, réservez vite pour être parmi les bénéficiaires des demi-bourses de l'ISNAC en journalisme, hôtellerie et tourisme, journalisme sportif, communication française. ISNAC, c'est 70% de pratique à la radio et à la télé. Soyez parmi les meilleurs sur le marché du travail en vous inscrivant aujourd'hui même au numéro 48B rue d'Arguin, Pétionville ou appelez 37 33 59 54, 33 23 28 28, 34 52 02 51. ISNAC, 100% d'impact.